Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de Crash Bandicoot 3 pour réussir à terminer le jeu à 105%. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe deux passages dissimulés dans deux niveaux. Le premier se cache dans le monde 11. Pour pouvoir trouver le passage secret, il faut que vous possédiez déjà le joyau jaune pour pouvoir accéder à la zone secrète. Continuez votre chemin jusqu'à arriver à l'endroit où le dinosaure vous course. Après tous ces obstacles, lorsque vous croiserez le deuxième ptérodactyle, foncez-lui dessus. Cela aura pour effet de vous emmener dans un lieu inaccessible. Un nouveau monde est à présent disponible, il ne vous reste plus qu'à grimper sur Baby et de finir le parcours dans les temps afin d'obtenir votre gemme et votre relique. Quant au deuxième endroit caché, il se trouve dans le monde 14. Ici, vous incarnez Crash sur une moto. Continuez votre parcours jusqu'à arriver à cet endroit. Vous apercevrez un oiseau qui se cogne sur un panneau avec une tête d'extraterrestre. Faites de même et vous serez alors téléporté dans le parcours Hot Coco. Et pareil que dans l'autre monde caché, il faut récupérer toutes les caisses du monde et finir le niveau dans les temps afin d'obtenir 2 gemmes supplémentaires. À ce stade, nous en sommes à 104% et pour obtenir le dernier pourcentage, c'est forcément le plus difficile. Vous devez parcourir les 30 mondes et avoir la relique or au minimum. Les deux niveaux secrets y compris. Une fois toutes les reliques or en votre possession, retournez devant l'écran géant et allez récupérer votre dernière gemme bien méritée puisque vous avez terminé le jeu à 105%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !